Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale rétrospective 2017. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener au cours de mon année 2017 et vu que c'est 2017, j'ai décidé de vous présenter 7 faits marquants. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'ai décidé de vous présenter 7 faits marquants, ou plutôt 7 événements, ou 7 choses que j'ai préférées durant cette année 2017. Donc bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis comme d'habitude, on like, on s'abonne à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Bienvenue à tous les nouveaux, et c'est parti, let's go. Alors la toute première chose en 2017 que je retiens, c'est mon déménagement, of course. C'était comme un aboutissement, c'était, voilà... Vous savez à quel point c'est difficile les démarches d'un déménagement, on est d'accord. Et du coup, durant cette année 2017, en janvier précisément, le 2 janvier, j'ai déménagé enfin dans ma maison et je m'y sens tellement bien. Je me suis jamais sentie aussi bien quelque part et je dois dire que c'est très important de se sentir en sécurité, quelque part où on a envie de rester, où les jours où vous ne travaillez pas, vous restez chez vous, vous êtes en mode chill, cocooning. Et là, ici, c'est clairement l'endroit où je me sens le mieux. Clairement l'endroit où Lindsay s'épanouit parce que être en appartement pour un enfant, c'est pas toujours top. Et là, clairement, je vois une différence phénoménale. Et le fait d'avoir un bureau, de pouvoir filmer tranquille, de pas avoir ma coiffeuse dans ma chambre et tout, ça change vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, mon deuxième fait marquant, c'est la rencontre avec la team Black Force Mal. Of course, on s'est rencontrés pour la première fois le 26 janvier. Et on a tourné toutes les quatre ensemble la première fois le 5 février, si je ne me trompe pas. C'était pour la collab sur la Saint-Valentin. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets juste ici le petit lien et vous pourrez aller voir cette collab. Mais clairement, voilà, c'était ma rencontre de l'année. Ces trois filles hyper sympas, hyper géniales, hyper généreuses que aujourd'hui je porte dans mon cœur, mais vraiment et sincèrement. D'ailleurs, on a ouvert une chaîne toutes les quatre ensemble. Black Force Smile. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment on se donne à fond, on fait des trucs hyper délirants et je les kiffe et c'est clairement ma plus belle rencontre de 2017. Ensuite en 2017 j'ai, comment dire, expérimenté des nouvelles choses avec mes cheveux. Notamment faire des crochets pour la première fois, mettre des perruques. Ce sont des choses avant que, c'est pas que je ne voulais pas faire, mais ce sont des choses que je sais pas faire. Je me disais ouais j'ai peur qu'on critique, ouais les perruques c'est has-been. Et après avoir regardé des heures et des heures et des heures de vidéos, je me suis dit mais what? Mais de nos jours ils font tellement de choses tellement ouf. Et un jour je me suis dit j'ai envie de changer de tête, j'ai envie d'avoir une nouvelle tête. Et voilà, j'ai mis ma première perruque et je me suis sentie tellement bien. Mes cheveux prenaient du repos et c'était kiffant. Depuis j'en suis addict. Encore une fois j'ai des crochets et j'adore. Quand même j'échoue dans une technique, bah c'est pas grave. J'en essaye des nouvelles parce qu'il y a tellement de techniques de nos jours, donc voilà, que ce soit les crochets, que ce soit les perruques, voilà, c'est rien d'asvine, tout le monde en met, c'est pas forcément les femmes noires, les femmes blanches en mettent aussi, les métisses, enfin, n'importe qui met des perruques maintenant, donc méfiez-vous et faites un petit peu plus attention maintenant quand vous verrez les cheveux des gens. Ensuite, la chose qui m'a aussi marquée, ou plutôt qui m'a beaucoup touchée, ou que j'ai appréciée, c'est le fait de voir Lindsay évoluer, de la voir grandir, de la voir rentrer à l'école, et de septembre à aujourd'hui, janvier, yes, janvier, elle a tellement évolué, elle a tellement grandi et ça me fait hyper plaisir. Après, c'est ma fille, je la vois au quotidien, il y a plein de choses que je loupe parce que je la vois tous les jours, mais quand je croise mes copines ou des amis ou des tantes, elle me dit « Oh, elle a changé, oh, elle a grandi » et ça me fait plaisir parce que c'est pas des choses que je vois tous les jours. Bien sûr, je vois qu'elle parle mieux, qu'elle fait des choses qu'avant elle ne faisait pas, mais... Voilà, c'est toujours mon petit bébé et de voir que mon bébé grandit, ben, ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Ensuite, la cinquième chose. Le cinquième événement qui m'a marqué en 2017, c'est de pouvoir aller au YouTube Space. Donc le YouTube Space, c'est clairement un endroit dans lequel je me suis épanouie. J'étais timide avant, enfin, je suis toujours très timide, mais à chaque fois que je vais au YouTube Space, j'arrive à aller vers les gens, discuter avec les youtubeuses qui ont le même centre d'intérêt que moi et du coup créer des liens, créer des affinités, créer des choses avec des gens et c'est ce que j'aime bien. Et au cours de ce YouTube Space, j'ai pu rencontrer énormément de gens, notamment Emma, Auria,
anil, j'oublie. Mais voilà, du coup, on peut rencontrer des grands youtubeurs et avoir des conseils sur leur expérience à eux, et puis que nous, ils nous donnent des conseils en tant que petits youtubeurs, des choses à faire, des choses à pas faire. Bref, voilà. Et du coup, encore grâce à YouTube, j'ai pu rencontrer Shira et du coup aller au Video City, chose que de moi-même je n'aurais jamais fait si ils nous avaient pas invités. Mais du coup, c'était une hyper bonne expérience. D'ailleurs, avec Shira, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a tourné une vidéo Coq TV, je vous la mets juste ici, où on se faisait prinquer. En fait, où Shira était déguisée, bref, c'était juste génialissime. Donc, allez voir la vidéo, parce que franchement, vous allez kiffer. Ensuite, en avant-dernière position, je peux pas parler de 2017 sans parler de ma transformation physique, sans parler de mon rééquilibrage alimentaire, sans parler de ma motivation, sans parler de mon sport. Parce que clairement, bah, mon année 2017 fait entièrement partie de ça, en tout cas plus de la moitié de mon année. J'y ai consacré ce changement physique et c'est quelque... je crois que c'est la plus belle chose que j'ai pu commencer en 2017. Je ne suis pas forcément une fille complexée qui ne s'aime pas ou quoi, mais voilà, j'ai envie de me lancer un challenge, me lancer un défi. Et donc 4 mois bientôt, ça va faire 1 an que j'ai commencé. Et ne vous inquiétez pas, j'ai commencé à vous préparer cette petite vidéo. D'ailleurs, elle est planifiée, donc attendez-vous à la voir très bientôt. Mais voilà, c'est clairement quelque chose qui m'a boostée, qui m'a poussée. Et par rapport à ça, j'arrive à aller. Enfin, je me suis rendu compte que j'arrive à aller au-delà de ce que je peux faire. Et des fois, j'ai une motivation tellement cachée, je me dis, mais what? Toi, tu peux faire ça? Bah oui, en fait, je peux le faire. Donc voilà, je pense que j'étais juste paresseuse et j'avais juste pas envie. Et quand on n'a pas envie, ben, on commence pas. Mais une fois qu'on a commencé quelque chose et qu'on est déterminé, ben, on va au bout. Donc si jamais vous êtes motivé, allez au bout de tout ce que vous voulez entreprendre. Parce que c'est important et après c'est une telle satisfaction personnelle que vous serez hyper fiers de vous. Et la dernière chose que je retiens de mon année 2017, c'est mon voyage en Espagne avec la team Black for Smile. Vous savez que cette année j'ai pas voyagé parce que c'est pas qu'on avait... on pouvait pas, mais c'est qu'on avait pas le temps, on avait beaucoup trop de choses à gérer entre le boulot et tout, enfin voilà, c'était pas possible. Mais j'ai quand même réussi à me dégager 5 jours de mon année 2017 pour partir en vacances avec la team Black for Smile. Et franchement, c'était des vacances hyper enrichissantes. C'est comme ça nous a soudés et voilà, on a appris beaucoup plus les unes sur les autres et ça nous a fait du bien, ça nous a fait plaisir tant physiquement, psychologiquement, enfin de partir de Paris. Vous vous rendez même pas compte que ça fait du bien de se retrouver entre copines. C'est pas comme un voyage avec son copain et sa fille, non, ça n'a rien à voir. Mais ça fait tout autant du bien et c'est un voyage qui m'a hyper fait plaisir. Donc voilà. Après, bien sûr, je n'oublie pas toutes les autres choses qui m'ont fait du bien, toutes les fois où j'ai été contente, toutes les fois où j'ai été heureuse. Faut pas oublier que voilà, on mange à notre faim, on boit à notre soif, on a un toit, donc faut quand même être heureux de ce que la vie nous donne. C'est vrai que là, je vous ai dit 7 événements qui m'ont le plus marqué cette année. Mais voilà, j'ai souvent été heureuse, j'ai rigolé, j'ai été avec ma famille. Et ça, c'est quelque chose de hyper positif et que je compte continuer en 2017. En 2018, bien sûr. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, ben, likez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. En ce moment, j'ai un concours, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et voilà, ben moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao !